Bon, je vais lancer ce nocturnal. Je sais pas à quoi m'attendre. Après un voyage éprouvant sur une mer agitée, Ardeshir, soldat de la flamme éternelle, retourne sur Narhan, son île natale recouverte d'une étrange brume. Pour la repousser et s'y frayer un chemin, Ardeshir devra brandir les pouvoirs de la flamme. Mais dans la brume se cachent aussi de terrifiantes menaces et de puissantes compétences qui se dévoileront à celles et ceux qui oseront percer ces mystères. Tout ce chapitre, ça tenait en un mot, grosso modo, non? Metroidvania. Voilà, on y est. Nocturnal, no bullshit, on va être plongé dans l'obscurité la plus totale. Ah, vous allez voir qu'il y a des effets de lumière qui sont vraiment chouettes dans le jeu. Pareil, des effets de feu. Mais la grande question qui va résider, c'est... est-ce qu'un habillage suffira à raviver l'esprit plateforme à lui tout seul? C'est la grande question, voilà. Alors, une nouvelle page trouvée. La vieille lettre de Arcia. Je vais pas tout vous traduire, les gars. Ok, on va collecter différents éléments pour en apprendre plus sur l'aventure. Regardez-moi ça, si c'est tout doux. Alors, c'est chouette, hein. Jump. La roulade. Coup. Et... ah, j'ai pas le deuxième coup, je me suis fait avoir, on m'aurait menti. Et apparemment, si je tapote les coups, je vais avoir droit à un combo. Pour l'instant, on est en terrain connu. Non, je rentre pas. Ok, non, bah je me casse. Oui, je tue les morts. C'est ma nouvelle technique. Alors, c'est vrai. Que s'est-il passé? C'est bizarre, ces trucs. On sait qu'on peut agir, mais on sait pas comment. Il m'expliquera bien à un moment donné, ce jeu. Oh là. Tu es venu nous voir en une période obscure, soldat. Quoi que tu cherches, je prie pour que ça envahisse ta peine. Je n'avais pas réalisé que les choses avaient si mal tourné. Assez mal. La plupart de tes collègues ont déserté. Cet uniforme doit être affreusement important pour toi, pour que tu continues de le porter. Oui, ça l'est, plus que tout. Tu devrais venir avec moi. Ça ne peut pas être sûr de rester ici. Je suis pas du genre à abandonner ce que j'ai déjà moi, avec moi. Mais n'aie crainte, c'est une petite île. Où que tu ailles, je suis sûr que ce sera pas très loin. Bien. Alors, il n'y a pas trop d'ambiance, on est en preview. Hein. Je sais pas si ça passe bien, les effets dans le retour. Ouais. On peut pas rentrer là-dedans. C'est bien étrange. Je tente. J'ai fait une roulade plus un, je ne sais pas pourquoi. Ce jeu est mystère, il veut pas m'en révéler davantage. Sauvegarde.
On aura au moins compris un truc ici, en venant. C'est une étrange manière d'ouvrir les portes, mais est-ce que ça fonctionne? Ah. Les mecs, si on m'explique pas, moi, je peux pas deviner. Le jeu est cruel, là, il est en train de m'envoyer dans les enfers. Voilà, je suis mort. Merci, au revoir. Je pense que j'ai raté une partie du tuto dans le passage précédent. C'est fort probable, mais je ne peux plus revenir. La vie est cruelle. Oui, elle l'est. Je finis de découper les cadavres car je suis Monsieur Connard. On y va. J'ai pas trop compris du coup, alors ça veut dire que quand j'éteins... L'ouverture de porte, ça va être comique. Quand j'éteins, l'obscurité m'envahit. Oui, l'obscurité m'habite. Non, en un seul mot. Et je dois fuir pour l'instant, vu que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et je cours, tel le dératé. Tel l'ex-jeune qui écoutait ce groupe des années 90, qui hurlait si bien, cours vite. Ah, vous l'avez tous en tête, les vieux. Hein. Avec des actrices de films pour le vidéoclip. Qui ne s'en rappelle pas, Chaos ? Ouais, fait semblant encore. Zwish. Pour l'instant, on n'y comprend pas grand-chose. Le jeu a pas trop envie de m'expliquer. Une porte, rentrée. Mais oui ! Personne n'est vieux ici, de toute manière. Y a pas des bonus, des fois, à frapper? Plus de rien. Attention. On va la refaire, parce qu'elle était très drôle, celle-là. Ouais. Ouais. Alors, la partie plateforme, ça va être l'essentiel du jeu, et déjà, je suis pas bien, là. Je commence à avoir des suées. Bref, on est dans un Prince of Persia. J'ai bon? Est-ce que je les claque ces trucs ou pas? Tout à l'heure, ça m'a pas porté chance. Hein. Alors, le double jump, tu sais pas faire, toi. Mais j'arrive plus à les atteindre maintenant. Ok, on y va. On se doute que ces plateformes sont plus ou moins mobiles, ça c'est clair. How do I light this shite? Je le demande clairement. Mais bordel! Bon, alors, on va essayer un autre truc. Là. Là. Non. Là. Non. Et là, j'ai bon. Tu lis ton chat? Bah oui, je lis mon chat. C'est pas un shmup. J'ai le temps de lire. On arrête de se foutre de moi. Alors, attendez, j'ai un symbole, là. On progresse, on progresse. Ok, ok, fallait le dire, c'est tout. Attends, ma barre descend. Donc je peux rester allumé un certain temps. On commence à décoder le jeu. On va y arriver petit à petit. Donc ça veut dire que j'ai tout ce temps-là pour aller allumer là-bas. Probably, maybe. Allez, brouf. Hop. Et. Brouf. Brouf. Et là, magie. Ok, ok, ok. Je t'ai pas dit bonjour, alors je t'ai pas dit bonjour tout simplement parce que c'est un enregistrement officiel TBG. Et les gens qui vont lire ça sur YouTube. En plus tu m'as fait mourir. Bon, c'est aussi parce que je suis mal poli, ça c'est une vraie raison. Mais je préfère mieux la fausse. Je suis où les mecs? Je m'en rappelle même plus là. Ok, on redémarre là. Mais ouais, non, je prépare une émission, je discute pas avec le chat. Alors, un jour, je vais faire une émission spéciale, par contre. Ah oui, j'y tiens. Non, là-haut. Du con. Putain, t'es relou, toi. Merci. Un jour, je vais faire une émission spéciale où je me foutrai de la gueule des gens sur Twitch. Qui, en fait, passent les deux tiers de leur stream à dire « Bonjour, merci pour les beats !» Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce que moi, ça me fait beaucoup rire. Ah, ça y est, enfin le jeu se dévoile. Donc en fait, il y a le noir qui m'envahit autour. Mes seules zones de sécurité sont les parties lumineuses du jeu. Et pour pouvoir parcourir mon aventure à peu près serein,
je vais devoir me servir de ce phénomène de... Voilà. Okay. Et régulièrement trouver... Putain, ça descend vite, hein. Oh la vache. Et régulièrement trouver des points comme ça où je vais pouvoir... recharger ma flamme. Ça y est, le jeu se dévoile enfin. Et on va désinfecter apparemment tout plein de zones comme ça. Attends. Là-haut. Donc il va y avoir beaucoup de plateformes, de jump et de choses que, sur lesquelles je suis pas très doué, je pense. Et j'ai déverrouillé la première porte, mais il y en a deux si vous avez bien regardé. Ok. On va remonter. C'est original comme façon d'aborder un Vania. On va reprendre du fire. Toc toc. Ouais, c'est encore moi, mais j'ai pas déverrouillé de l'autre côté. Il doit y avoir un truc que j'ai oublié. Ou deux. Ah, le regard avisé. Bon, on va monter pour la peine. Le jeu de toutes les contrariétés, c'est marrant. Quoi, tu m'as appelé Coward? Crains mon courroux, pauvre naïf. Ah, j'ai plus de feu. Donc, on va récapipette. C'est un Vania dans lequel on éclaire son chemin pour être plus ou moins safe. On est obligé d'explorer pour pouvoir déverrouiller des zones. Maintenant, je suis très très curieux de voir en combat ce que ça va pouvoir donner, parce que je suis assez inquiet sur ça. S'il faut encore gérer le feu en même temps qu'on a le combat qui va nous occuper, je redoute ça. Parce qu'on va pas être potes. Attends, je vais voir. Non, y'a rien, c'est bon. Oui, c'est un jeu pour fumeurs, c'est clair. Là, le feu avec la flotte, ça va être naze. Gauche, secret. Non, pas de secret, pas ce matin. Est-ce que la musique est assez forte en retour? Parce que j'ai le doute. Salut. Je te mettrai le feu après, bouge pas. Brouf. Ok, brouf. Et maintenant, replateforme. Ça sent le combat, non, pas longtemps, je sais pas pourquoi. Salut. Comme il m'a laté les couilles au vol. Bravo. C'est bien de leur sauter au... En plus, il a 4 points, lui. C'est bien de leur sauter par-dessus. Par contre, faudrait que je me récupère de la life, moi. Sinon, je vais avoir des gros soucis, je pense. Brouf. Ouais, brouf, toujours. Il y a une urne ici. Blink. Je pense que je vais me faire dérouiller. Alors, faut que je trouve du feu, ça, c'est urgent. Where is the fire? Brouf. Bravo. Non, non, on va faire ça bien. On va tout éclairer. On est là pour la win. Maledictis. Attends. Il essaye de m'expliquer un truc, ce jeu. Bon, là, si c'est... Non, c'est pas bon. Brouf, j'allume mon feu. Et brouf. Il est costaud, lui. Il va me sécher. Ouais, j'ai bien peur que pendant les combats, il faille déverrouiller les zones. Pour pouvoir... Je pense qu'on doit se prendre des malus de fight. Si on laisse tout éteint. Ça sent la grosse embrouille comme ça. Urne. En tout cas, le rythme du jeu est pas stressant. On revient à gauche comme un vrai. Hop. Je vais crever les gars. Arrêtez, vous êtes trop nombreux. J'avais prévenu, personne ne m'écoute. Oh la vache. Fais-toi un massacre. Ça s'est très très pas bien passé. Euh,
les sauts sont assez précis hein, pour les objets en hauteur, c'est un peu. Alors, je devrais avouer que c'est pas ma cam, moi non plus, mais je suis là pour chroniquer les jeux, les gars. Donc, que ça me plaise ou pas, c'est secondaire. Fais-le ton jump. Celui-là, je l'ai bien défoncé. Par contre, il me reste un point de vie, les mecs. Donc ça va être un souci, je pense. Je peux l'avoir, mon truc qui rétablit, là. Alors, la manette me vibre dans la main en me disant... Dans... Ton... Pas dans ton inventaire, en tout cas. Ah, si je trouve pas de la vie, les mecs, je vais avoir un sérieux problème. Je veux pas dire, mais niveau durée de vie, j'ai aucune crédibilité. Go! Bon, maintenant, je vais faire que des perfect moves. Prouf. Attends, je vais regarder là-bas. Non, y a rien. Monte. il fait bon. Cette pluie me rafraîchit. Quelqu'un a du feu? Je suis pas allé voir à gauche s'il y avait un bonus. C'est sacré, hein. C'est le truc vieux, vieille école. Ah! Bah dis donc, ça tombe bien, ça. Ah, ça fait, c'est vraiment pas ma cam. Ça fait partie de ces Vania où, en fait, on se recharge la vie au fil du jeu. Et souvent, dans les combats et l'exploration, moi, perso, j'oublie. Donc, faudra retenir la gâchette 2 secondes pour récupérer un petit peu de points de santé. Allons-y, allons-o. C'est vrai que tous ces Vania se ressemblent, mais celui-là, je pense que... Faut voir comment il va développer son histoire d'obscurité, là. Parce que je pense qu'il va y avoir des sacrés malus pour le joueur. Et ça va créer une petite tension supplémentaire qui sera pas à négliger. Hop là, bouge pas. Oh, il est pas content. Arc, je quick. Il est où mon checkpoint? J'ai pas vu de checkpoint depuis super longtemps. Ouais, il est juste là, c'est cool. Fais ta roulade, c'est beau. Brouf. Brouf. Oui, le feu a des onomatopées qui sont lui. You see what happens? You see what happens quand tu agresses inutilement Monsieur K alors qu'il fait que visiter les châteaux. Puisqu'il faut que j'investisse dans l'immobilier et je n'ai toujours pas trouvé lequel serait le plus adapté à ma personne. Sachant que j'aime les étages, j'aime les petits tours et les donjons. J'aime aussi les salles de torture. Ah, j'ai toujours ma Dark Mistress, hein, faut qu'elle s'occupe. Les vieux savent ce que c'est. Oh. Reste là-haut, t'es bien. Regardez, il sprite. Laisse-les spriter, ces deux cons. Je déteste le combat dans ce jeu. C'est brouillon, c'est... Je vais casser ce tonneau, j'y arrive même pas. C'est brouillon, c'est pas très clean. On va pas être pote avec ce jeu, on va vraiment pas être pote. Mais bon, c'est pas grave. Je peux avoir du feu quelque part, les gars. Alors, on fait que ça dans ce jeu, demander du feu. Eh mec, t'as pas du feu? Mais tu fumes pas. Non, non, c'est pour jouer. Mais fais-le. On se douille. Il y a des objets qui sont très... Bon, le petit checkpoint ici, je dis pas non. Ça, ça a l'air pas sympa, mais pas sympa du tout, quoi. On va éviter. Brouf. Ça, c'est closed. Non, c'est pas closed. Bien. Il y a une petite mollesse hein, dans le jeu aussi. Qui est pas en sa faveur. Merde.
C'est la faute à la manette. Ouais, non, mais c'est pas faux. J'ai une manette à 150 balles. C'est forcément la faute à la manette. Apparemment, aujourd'hui, j'ai un chat qui est très taquin. On va rigoler. Je vous rappelle que le prochain jeu, c'est un jeu de rythme. Alors, tome de l'endurance de la flamme. En profiter pour prendre mon café qui doit être froid. Oui, je vais pas commenter la narration parce que c'est... c'est une narration, quoi. Vas-y, monte. Ah, putain. Ouais. Alors, il y a une map, probablement. Non, il n'y a pas de map, les mecs. Ah, merde. Ah, je m'en sers pas, ça aussi, il faut que j'y pense. Donc, t'appuies sur une... Les mecs, ça marche pas, votre truc. Alors, faut que mon épée soit enflammée. On va essayer de reprendre de la life. Non. Non, j'essaye des... Ah, ça y est. Ouh, gâchette gauche, ok. Flamme, gâchette gauche. Bien. Du coup, je vais où? Je me suis déjà paumé. Non, il y avait la porte à droite. Mais il faut que je prenne du feu. Oui. Sa place est dans un musée. Ça y est, ça se fout de ma manette dans le chat aujourd'hui. Je vais toutes les avoir. Pourquoi j'ai dit oui? Bah ouais, mais une manette à 150 balles quand elle est en promo à 70, tu dis oui. Ouais, je suis naïf. Ah ah ah. Ok, le fire, ça va être short, on y va en trace. Brouf, 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 brouf. Oui, je fais le bruit du feu, c'est important. Brouf. Et brouf, voilà. Je me disais... qu'un soldat serait bon à ça. N'es-tu pas supposé sauver les gens de tout ce, de toute cette brume? Pff, toi, tu risques rien à rester planqué dans l'ombre. Au moins, je fais un effort. Même si tu me laisses faire tout le boulot tout seul. Alors ça y est, j'ai Data Reaper qui se rebelle dans le chat. Si c'est le modèle que je pense, elle est fragile. Donc oui, c'est peut-être la faute à la manette aussi. Ce modèle a été fourni, sache-le, avec une boîte énorme, un étui de transport. Je savais pas qu'on faisait des étuis de transport pour les manettes, rigide pour la protéger des chocs. C'est une imitation de la manette Pro Xbox par une autre marque. Et c'est fourni avec les petites palettes qui vont en dessous que j'ai vite dégagées. Parce que moi déjà, rien que le R3 et le L3, ça me fout le bordel. Donc je te laisse imaginer avec les palettes, quoi. Ça a pas de crédibilité. Brouf, pour la peine. C'est bizarre cette histoire de brume et de feu et de lumière. Et je pense qu'ils ont pas fait ça pour le fun, c'est pour s'en servir. Et voilà, et je sais pas comment ça va marcher à la fin. Ça c'est à moi. Hop là. Brouf. All the brouf along the way. Ouais, mais moi je suis pas une brute, c'est connu. La fragilité des manettes. Si elle avait dû casser, elle l'aurait fait déjà depuis longtemps, je pense. Ah, faut que je trouve du feu. C'est effectivement un jeu où tu passes ton temps à demander. Ah, putain. Je veux partir. Non, non. Mais on se connaît pas. Je suis mort là, les mecs. J'ai pas de feu. I got no fire. Oh, fire. Fire, come on. Brouf, brouf, roule. Brouf, 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 roule. Brouf, brouf. Brouf. J'ai perdu beaucoup de vie. Ouais. Oh, ça va craindre, je suis mort. Ils sont encore deux. Oh. On va la retenter. Je vais peut-être aller à gauche. Je sais pas, je dis ça comme ça.
Alors, il y a une braise, mais il n'y a pas de feu. Ça, c'est juste pour me narguer. Niveau santé, j'en suis où? Pareil, il pourrait me le marquer tout de suite, là. Non? Non, il veut pas. Ok. Idée, on va essayer de les attirer du côté de la flamme, les deux zigotos, là. Ouais, les gars, je vous ai vu. Ok, ciao, 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 j'y vais. Brouf. Brouf, brouf, brouf. Roule. Brouf, 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 brouf. Retourne dans la lumière. Bim. Laisse les faire. Ils vont pas aimer. C'est qu'il commence à savoir faire le bougre. Ça y est, c'est fini le cirque. Ah, les combats sont vraiment pas agréables, je le dis franchement. J'ai pas pris mon pied là. Je peux avoir la lumière là quelque part. Ok, non. Ouh, on fait tout noir. Qu'est-ce qu'il raconte les médisants du chat encore? Ça a placé dans un atelier. Plus de 30 balles, c'est trop cher. Ouais, mais... C'est une manette quand même, hein. On est violent dessus. Enfin, moi, je sais pas, je suis très émotif et... je lui fais pas de cadeau à la manette. C'est très costaud, je dois admettre, parce que... Hop, ça tombe. Hein, bon, ça s'appelle un DMC, ça. Mais ouais. Vous l'entendez, de façon. Elle bosse. Puis avec tous les jeux que je teste, elle bosse 5 fois plus qu'une autre manette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on n'y voit rien, c'est vraiment bien fait pour qu'on n'y voit pas, quoi. Ah! Putain! J'avance, 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 j'y crois. Ouais, mais tu peux rien... Tu es... L'obscurité tue. Ok, non, mais ok, je sais maintenant. Brouf. Anne Brouf again. On the booth again, again. Ah, taille! Putain. Brouf, disons-nous. Donc là, il va falloir tracer. Ça va pas être super cool, je crois. Go. Brouf, brouf, brouf. Oui, n'oublie pas de brouffer. Tout ça pour revenir dans une salle précédente. Non, oui, peut-être. Lumière, lumière. Non, reste pas là-dessus. Ça, c'est ma dalle de tout à l'heure. Donc, je suis revenu là-dessus. Ça, je monte. Je pense pas que ça va me plaire sur la durée, cette histoire de feu qui s'éteint et où on se rajoute des allers-retours. Ce qui est une des choses que je déteste profondément dans les jeux. Ça parle manette en sucre. Moi, je serais vous, je contacterai des boulangers. Hein. Il y a peut-être un débouché. Ah, a pu brouf. A pu brouf. A pu brouf, a très malheureux. Hein. Les sproms, les entités maléfiques, tout ça. Je vais vous demander de patienter le temps que je trouve un brouf. Ah ouais, no brouf, les gars. Il y a un checkpoint. Une porte. On va prendre le checkpoint, déjà. Brouf. Oh, pas brouf. Il est où le brouf? Donnez-moi du brouf, s'il vous plaît. Oh putain, il va pas être commode, lui. J'ai oublié de remonter ma life. Lâche-moi! Espèce de... Nar. Il m'envoie des... Et en plus, il est résistant, ce con. Et tant que j'ai pas de flamme, je lui fais zéro dégâts. Ça aussi, j'avais pas compris. Bravo la vie. Ah non, mais tu vas m'en redonner plus que ça, bonhomme. Brouf. The Brouf Game. C'est peut-être pas très judicieux de se mettre un checkpoint ici, mais je le fais quand même. Donc apparemment, ce titre ne plaît pas dans le chat. Moi, il me plaît pas plus que ça. Mais je pense qu'il a son public, parce que c'est un Vania qui se déroule très lentement. Et je crois qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Ouais, mais moi, je mets le feu de partout à tout le monde, quoi. Putain, l'autre con là-bas.
Ah, j'ai plus de flamme. Il s'est fait péter tout seul, ce con. J'aime pas trop le système de se remonter la life. Ça, c'est tous les Metroidvania récents. Ils ont tous ce principe et... Je trouve pas ça folichon, les gars. C'était quoi, là? J'ai quand même exploré. Brouf. Le mot du jour, brouf. Au moins, j'ai le titre de cette chronique si je la publie. Ma vie chez les broufs. Ça s'ouvre pas, ça? Non, ok. Pourquoi celui-là, il a pas été... Et pourquoi celui-là, c'est éteint? Et pourquoi tant de questions? D'accord, il y a une malédiction, en fait. Et ça me déclenche probablement l'ascenseur. Donc ça, c'est pas bon. 1, 2, 3. Non. 1, 2, yes. Putain, je vais crever. Mais je crame tout le monde, moi, les gars. C'est fini, la copinitude. C'était avant. Maintenant, je suis une teigne. Sachez-le. Oh, ils sont trop nombreux, les mecs. Arrêtez-vous, les mecs. Vous êtes trop nombreux. Est-ce que je vais m'arrêter par là? Pff, je vais pas m'avouer vaincu quand même. On vaut mieux. Bouf. Regardez-les, ils tirent déjà, les mecs. Bon, écoute, petit malin, je te fais à la bourrin parce que je vais me recharger. Mais sache que mon Kouroux est... Tu veux la longueur de cette épée? Bah, il fait au moins la même longueur. Merde, faut prendre ça. Moi, c'est le côté des allers-retours gratuits qui va pas me plaire, mais bon, it happens. Par chance, ils n'ont pas changé la combinaison du coffre. Il y a la gros con. Brouf, vite, brouf. Oh putain, t'as plus de feu là, t'as l'air conga. Conga, conga, conga. Oh putain, mais il y a plus de feu du tout. Je fais comment quand j'ai plus de feu, les gars? Tu crèves? Désigné pour crever, c'est tout moi ça. On fait une dernière tentative, si ça marche pas, je change de jeu. Salut, je viens pour les broufs. Toi, j'étais bien bourriné. Bien, santé, on est au taquet, c'est parfait. Non, c'était pas cet ordre-là, crétin. Envie d'y aller, mais on y va quand même. Yippee-kay ! Ouhou ! J'en ai pris la moitié dans la gueule, non ? Oh, qu'ils sont chiants ! Remonte ta live, gros. Remonte ta live, t'es pas bien, là. Elle marche pas, ma gâchette gauche, les mecs. Ah, putain. J'ai oublié de faire mon brouf. Ne
Ok, il y a encore une combinaison. Moi, je pense que je vais m'arrêter par là, parce que, pareil, c'est pas le genre de jeu que j'apprécie énormément. En tout cas, c'est un Metroidvania-like, qui a son propre style, qui plaira ou pas, qui a son propre rythme, que je trouve un peu long. Mais bon, ça n'empêche pas d'être sympa. Et qui, du coup, ben, permet une grosse exploration, apparemment, puisque il y a beaucoup de passages qu'il va falloir décoder. Et dont il va falloir trouver les combinaisons pour pouvoir se balader un peu dans ce château. Où je suis? Oh, ça recommence. Ouais, je vais m'arrêter là. C'était la preview nocturnale. On en a assez vu, ouais, on en a assez vu. C'est vrai que le jeu est tentant pour le côté Metroid pépère. Il peut rebuter pour le côté labyrinthe qui va peut-être saouler des gens. Le mode de combat aussi qui est un petit peu particulier puisque on est obligé de s'éclairer en permanence et il faut gérer ça comme une ressource en temps réel. C'est peut-être un truc qui plaira pour certains, pour d'autres ce sera éliminatoire probablement. Voilà.